Tornade, clairement, Émilie? Non, ça va? Pas pour aujourd'hui. On n'en attend pas. Heureusement, les conditions sont propices à sortir à l'extérieur et à profiter du soleil. Parce qu'on a un beau week-end devant nous, mais là, attention, malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'ensemble de la province. C'est vraiment scindé en deux. Où on le voit, hein, il y a une section dans le sud du Québec où c'est du beau temps qu'on attend, alors que dans le nord ou l'ouest, l'Est aussi. On attend des précipitations. Les températures qui seront chaudes aujourd'hui pour les secteurs dans le sud du Québec, au thermomètre, on est nettement au-dessus des normales de saison. Et à ça, bien, on ajoute un indice humidex. Alors oui, une sensation de chaleur ressentie de 27 à 30 pour les secteurs du sud du Québec. C'est vraiment une magnifique journée alternant soleil-nuage. Dans le centre du Québec, aujourd'hui, vous avez généralement une belle journée. Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, ce sera une belle journée. Quoique vous avez encore des possibilités de pluie pour ce matin. Ça va se transformer en alternance soleil-nuage aujourd'hui. Ça restera beau pour le reste de la journée au Saguenay, alors que le lac Saint-Jean, en toute fin de journée, vous avez un autre 60 % de possibilité d'averses isolées qui pourraient se former pour terminer cette journée de samedi. Ce matin seulement, à Rimouski, faible possibilité d'averses isolées. C'est beau pour les autres secteurs, température très confortable, sauf pour Rimouski, où ça reste un petit peu plus frais. Parlons de frais, ça le restera pour la Côte-Nord chez vous. On va rester dans les normales de saison. C'est un ennuagement graduel, mais c'est vraiment si vous avez un épisode de pluie, ce sera assez bref parce que ça se déplace vers l'est du Québec. Ça va atteindre ce matin Baie-Comeau, cet après-midi Sept-Îles, au cours de la nuit la Basse-Côte-Nord. Ça restera beau Carleton, Gaspé, les îles de la Madeleine, avec des températures qui sont quand même confortables. Pour l'ouest du Québec, vous avez de la pluie sur l'Abitibi-Témiscamingue sous un ciel généralement nuageux avec des risques d'orage cet après-midi. C'est beau pour Gatineau et Mont-Laurier avec un indice humidex pour vos secteurs. Dans le nord du Québec, c'est nuageux, généralement nuageux à Côte-Jouac, maximum à atteindre de 5. De la pluie pour Fermont, maximum de 8. 15 prévu pour la Baie-James et c'est de la bruine intermittente prévue pour aujourd'hui chez vous. Cette nuit, les températures vont rester confortables. On va avoir un petit peu de pluie là, sur l'Abitibi-Témiscamingue, peut-être le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, mais je vous dirais que demain, ça va être, règle générale, une magnifique journée avec du soleil, donc généralement ensoleillé. Et c'est jusqu'à présent la journée la plus chaude de la semaine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, donc un ressenti de 30 à Montréal demain. Ça restera chaud et confortable lundi. Quand même confortable mardi, mais là, les nuages vont nous apporter des possibilités de pluie. Ça ressemble beaucoup pour la région de Québec, alors que demain, vous allez avoir un ennuagement graduel et avec un indice humidex ressenti à 30. Donc, ça va être très chaud demain. Là, on est au-dessus des normales de 16h. Remarquez qu'à ce temps-ci de l'année, de jour à Québec, 15 et la nuit, ça descend normalement à 6 degrés. Alors, pour les prochaines nuits, sachez que ça va être quand même très confortable. Mais là, on va rediminuer et retrouver tranquillement les tendances de saison à partir de mercredi, jeudi. Et chose certaine, c'est que ça semble vouloir s'ennuager avec de la pluie pour la semaine à venir. Alors, profitons bien d'aujourd'hui, demain et lundi, qui serait généralement ensoleillé sur plusieurs secteurs. Il y a une bande-annonce qui avait fait énormément jaser il y a de ça à peine. Parce qu'on attend des températures qui sont très confortables, même très chaudes sur certains secteurs, parce qu'il y a un indice humidex présent aujourd'hui, en fait cet après-midi sur certains secteurs dans le sud du Québec, et du soleil, surtout du soleil, parce que oui, bien, on attend aussi des nuages sur certains secteurs, comme le démontre l'imagerie radar, et il y a justement quelques précipitations qui vont balayer une partie du Québec. Alors aujourd'hui, dans le sud de la province, je vous dirais que c'est beau, on a du soleil, et il va rester bien présent, quoique alternance soleil-nuage cet après-midi. Il y a un indice humidex avec des ressentis de 28-29 pour ces secteurs. On est nettement au-dessus des normales de saison. Sur l'ouest, l'Abitibi et le Témiscamingue, c'est des nuages avec de la pluie intermittente et il y a même un risque d'orage qui est attendu pour cet après-midi. Alors que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous allez avoir une belle journée alternance soleil-nuage. Mais pour terminer la journée, le Lac-Saint-Jean, bien, on aura un 60 % de possibilité de pluie cette nuit. Et vraiment, les températures, où vous le voyez, là, un peu plus chaudes, vont stopper à Rimouski, qui attend un maximum de 14 degrés. C'est quand même une belle journée, alternance soleil-nuage. C'est beau pour toute la péninsule gaspésienne. Carleton et Gaspé, ça va être somme toute confortable. Même chose pour les îles de la Madeleine, maximum chez vous de 18 à atteindre. Et la Côte-Nord, chez vous, c'est dans les valeurs de saison, donc c'est un peu plus frais. De la pluie en avant-midi pour Baie-Comeau et ça se déplace pour cet après-midi vers l'est. Alors, ça va atteindre Sept-Îles et même la Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord, au cours de la nuit à venir. Températures qui vont rester somme toute confortables cette nuit et demain, encore plus beau, encore plus chaud. Je vous en reparle un peu plus tard. Merci, Émilie.